Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode 2 de comment gagner de l'argent sans investissement. Pour ceux qui découvrent, je vous mets en fiche juste en haut la première vidéo, donc l'épisode 1, pour que vous compreniez un peu le principe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur le même modèle que dans la première partie. Je vais me laisser une heure de temps. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais augmenter un peu le challenge. À chaque nouvel épisode, je vais essayer de gagner un peu plus d'argent. Alors, je suis pas du tout sûr que je vais y arriver, mais c'est vraiment mon but. Cette fois-ci, on va s'attaquer à quelque chose d'assez spécial. Je pense qu'on peut tous le reproduire à la maison, parce que là, niveau récupération, franchement, je pense qu'on a tous ça chez soi. Après, est-ce que ça va se vendre? J'en suis moins sûr, mais franchement, si ça marche, ça peut être vraiment pas mal. Si vous êtes comme moi, et que vous traînez un peu sur les réseaux, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont TikTok, je suis présent aussi sur TikTok. Alors, je commence tranquillement. Si vous voulez me rejoindre sur TikTok, vous me trouverez tout de suite. Vous tapez TFSM, vous allez me trouver direct. Donc, du coup, il y a quelques mois, j'ai vu une vidéo d'un peintre qui peint avec un pot de peinture. Ça s'appelle le pendulum peinture. Donc, il vient percer son pot, il l'accroche sur un axe de rotation et la magie opère. Moi, il y a quelques mois, j'avais trouvé ça magnifique et je me suis dit, je voudrais bien acheter une toile pour mettre chez moi en déco. Et en fait, en cherchant sur Internet, sur eBay et compagnie, j'en avais pas trouvé. Et là, je me suis dit, mais attends, ce truc, c'est super simple à faire. Je vais le réaliser. Au pire des cas, si j'arrive pas à le vendre, j'aurai enfin mon tableau. Et dans le meilleur des cas, on arrive à le vendre. Je vais vous montrer ce qu'il faut pour le faire et après, on attaque. On va faire ça en deux étapes. Dans la première étape, on va fabriquer notre toile. Donc pour ça, il va nous falloir 5 tasseaux. Vous y coupez de la dimension que vous voulez. Moi, j'ai fait 50 de long. Donc il vous faut 5 tasseaux comme ça, des vis et une visseuse, bien évidemment, pour qu'on le fabrique. Après, il va falloir un vieux drap ou une vieille tête d'oreiller de la couleur que vous voulez, et une agrafeuse. Ça va être pour qu'on fasse la toile. Et dans un deuxième temps, il va nous falloir donc une canette de coca. On va s'en servir pour faire le pendule, de la ficelle à rôti, moi j'ai pris, et bien évidemment, un vieux pot de peinture que vous avez. On attaque par le cadre, j'ai récupéré mes 5 tasseaux. Moi, je vais les positionner comme ceci, et je vais en mettre un en haut et un en bas. Et après, on vise tout, Okay. Le cadre est terminé. On va pouvoir venir agrafer donc votre drap ou votre vieille tête d'oreiller dessus. J'ai recoupé ma toile plus grande que le cadre, bien évidemment, pour qu'on ait bien les bords qui recouvrent les deux champs, Là, vous voyez les deux champs comme ça, pour bien que ça recouvre ce champ et le champ du dessus. Comme ça, ça cachera les vieux tasseaux, ça sera quand même déjà plus joli. Puis après, je ferai la finition ici au cutter. Notre toile est terminée, on va pouvoir aller la poser au sol. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour la fameuse canette et la ficelle. Et puis après, on va laisser faire la magie. Voilà comment j'ai fait, j'ai pris mon fil à rôti que j'ai accroché au plafond, vous savez, sur les accroches qu'on a où on peut accrocher nos lustres ou nos appliques. J'ai accroché la canette de coca, j'ai fait un trou d'environ, 2000 en dessous. J'ai mis un scotch pour pouvoir remplir tranquille. Et j'ai bien mis la toile au centre. Donc une fois que la canette ne bougeait plus, je l'ai bien placée au centre. Là, on va pas se prendre la tête, Je vais prendre la canette, je vais la remplir avec ma peinture, je vais enlever mon scotch bien en dehors du tableau, et après, je vais la laisser opérer toute seule. J'ai récupéré mon vieux pot de peinture, j'ai pris une bouteille. En fait, c'est pour que ça soit plus simple à remplir la canette. Vous voyez, je l'ai coupé, je l'ai évasé, et comme ça, en appuyant, ça va me faire un petit bec verseur, en fait. Donc, allez, c'est parti, Thank you.
dernière étape pour l'œuvre d'art. Pour ceux qui ne le savent pas, bah, je suis carreleur de métier. Hein. J'ai une deuxième chaîne d'ailleurs qui s'appelle Devenir Carreleur. Et je fais souvent des joints epoxy, donc c'est un joint bien spécial. On peut mettre des paillettes à l'intérieur, des paillettes argentées, des paillettes dorées, ça dépend. Et en général, quand on prend des paillettes, bah, on a un sachet par pot. Et puis des fois, je passe pas tout, donc il me reste souvent des sachets de paillettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais en passer un peu dessus. Alors si vous, vous avez d'autres couleurs, bah, pourquoi pas mettre une deuxième couleur dans votre tableau. Peinture, bah, elle est en train de sécher hein, tranquillement. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai fait deux annonces. Donc je l'ai pas mis sur le bon coin. Je l'ai mis en priorité sur eBay. Bon, j'ai mis un peu de temps parce que eBay c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut mettre un prix de départ s'il est acheté immédiatement et un prix aux enchères. Bon, après c'est bien expliqué sur le site. Et bien évidemment, je l'ai mis sur le market de Facebook. Donc sur Facebook, je l'ai mis à 50 euros. Et je me dis que je le laisserai partir à 40. Après, on verra, hein, peut-être moins si j'ai une proposition. Moi, franchement, cette toile, je la trouve super belle. Ça peut être aussi une bonne idée de cadeau de Noël. Hein, quand on a plein de cadeaux à faire et qu'on n'a pas un budget limité. Du coup, si j'arrive à le vendre et que je m'en sépare, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en refaire un autre et beaucoup plus grand. Et là, du coup, avec cette première expérience, j'ai vu ce que je pouvais améliorer. Du coup, le trou que je vous ai dit 2 mm, je pense qu'il faut le faire plus petit. Il faut faire 1 mm. Et je pense que la canette, il faut la descendre un peu plus pour qu'elle soit vraiment plus près de la toile. Et en dernier lieu, il faut vraiment faire une grande toile pour qu'on ait vraiment un joli motif, je pense, plus prononcé. Si j'en refais un, je ferai vraiment une toile qui fera 1 mètre par 1 mètre. Il y a deux jours qui se sont passés depuis que j'ai posté les annonces et j'ai trouvé un acheteur sur le marketplace de Facebook. D'ailleurs, je suis impressionné hein, par la puissance de ce réseau. Je pense que j'ai dû faire une connerie sur eBay parce que sur eBay, en deux jours, mon annonce elle a été vue 0 fois. Donc j'ai dû rater quelque chose. Je sais pas comment je m'y suis pris. Et sur Facebook, j'ai fait à peu près une 50aine de vues. J'avais mis Lyon pour que ça soit beaucoup plus grand et pour toucher plus de personnes. Du coup, bah, j'ai trouvé un monsieur. Ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va aller lui vendre cette petite œuvre. C'est la première fois que je vends une peinture. Et puis après, on fera un petit débrief rapide. Elle est nickel. Donc, je vous l'ai mis dans une caisse comme ça. La caisse, je vous la donne. Ah, ok, sympa. Voilà, je vous la montre parce que j'avais rien pour l'emballer. Il est magnifique. Ouais, ça vous plaît? Ouais. D'accord. Super. Et les petites questions indiscrètes, c'est pour vous? C'est pour offrir. D'accord, ok. Allez, bah génial. On est ok pour 40? Allez, 40 euros. Allez, feu. Je vous mets dans la voiture? Super. Allez. Coup, transaction terminée. J'ai récupéré mes 40 euros. J'étais vraiment pas sûr du tout de pouvoir la vendre aussi rapidement. Et en fait, c'est là que je me rends compte qu'il faut de la visibilité. Et la visibilité, bah, elle est pas de partout pareil. Hein. Bon, eBay, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû foirer. Le Bon Coin, à mon avis, il y a de la visibilité, mais il force à mettre des coups de CB pour remonter les annonces. Par contre, en revanche, sur le marketplace de Facebook, c'est la deuxième vente que je fais dessus et il y a quand même pas mal de vues qui se font à chaque fois. Bon, là, j'ai fait 50 vues par rapport aux 400 de la dernière fois, mais c'est pas le même produit. Et en finalité, ça s'est quand même fini par une vente. J'espère que ce deuxième épisode hein, vous aura autant plu que le premier. Si vous voulez que je vous en fasse un troisième, bah, n'hésitez pas à bombarder de pouces like, n'hésitez pas à partager et moi, je vous dis... A très vite pour une nouvelle vidéo.